Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Darkhaven et bienvenue pour une nouvelle présentation de mode. Aujourd'hui, je vais vous présenter un mode qui rajoute 140 sorts. Mais attention, c'est pas des sorts qui vont être chiants à faire, etc. C'est des sorts qui sont déjà faits. C'est un mode qui est pas compliqué en plus. Donc clairement, vous allez voir des effets fort sympathiques et vraiment très très faciles à prendre en main si vous ne le connaissez pas. On arrive dans sa quatrième version, c'est une version très stable. Elle sera utilisée pour Fly for Fluns, évidemment. Mais je voulais quand même vous le montrer, je craque parce que c'est trop bien. 140 possibilités de faire des choses incroyables. Qu'est-ce que va rajouter ce mode en premier lieu? Des petits Magic Crystal. Alors les Magic Crystal, on va pouvoir les retrouver absolument partout. Hein, bien entendu, on peut les trouver sous forme de fleurs ou soit sous forme de minerais. Vous pouvez les récupérer n'importe où à l'aide d'une pioche en fer, ou vous pouvez les trouver également dans la nature, comme on peut le voir juste derrière moi. Hein, il suffit de juste mettre la fleur, la frapper, vous obtenez des cristaux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour commencer ce truc? Eh bien, il va falloir simplement mixer un cristal avec un bouquin, comme vous pouvez le voir juste ici. Et donc, ça va permettre, eh bien, de réaliser le Wizard Handbook. Et donc, il suffit ensuite, eh bien, de le lire. Et il va vous apporter tout ce que je vais vous expliquer. Clairement, tout ce dont il y a besoin. Hein, il va tout de suite vous dire comment, de quoi vous avez besoin au début. Vous avez besoin d'un bâton magique. Alors, comment on le fait, ce bâton magique? Hein, bah, toujours avec le cristal, un bâton et un Golden Nuggets. Voilà. Ensuite, le bouquin va vous dire qu'il va vous falloir également une Workbench, etc. Hein, donc, il faut une Arcane Workbench. La fameuse Arcane Workbench, donc, qui utilisera aussi les cristaux, plus un lablock de lapis. Voilà, c'est avec celle-ci que vous allez pouvoir mettre vos sorts et recharger vos baguettes. Hein, tout cela va se faire avec l'Arcane Workbench, donc c'est vraiment la table de craft dont vous aurez besoin à chaque fois. Hein. Ensuite, il va également vous expliquer. Alors, on peut créer un spellbook de base qui utilise les missiles magiques. Hein, donc, c'est un spellbook. Il suffira également d'utiliser 4 Magic Crystal plus un bouquin pour obtenir votre premier sort, qui est le Magic Missile. Vraiment, le truc tout simple. Pour vous créer une armure de mage, eh bien, vous pouvez créer une sorte de ficelle magique, hein, comme ceci, hein, avec 4 ficelles. Et donc, c'est le matériau que vous utilisez ensuite pour vous faire une robe de mage. Cette robe de mage, elle va accumuler du mana. Elle n'est pas très puissante en résistance. Néanmoins, elle dispose du mana. Ça vous permet de lancer des sorts encore plus du mana contenu dans votre baguette. Donc, c'est important d'en avoir, surtout quand vous voulez lancer pas mal de sorts, parce qu'au début la baguette ne donne pas forcément tous les avantages que l'on voudrait. Donc dans le livre, si vous parlez anglais, clairement vous avez plein de choses. On va vous parler des bâtons, des sorts, des arcane workbench, de comment on va charger les sorts, etc., comment on va le faire. Donc voilà, donc vous avez votre petite baguette et on va dire que l'on s'est créé le premier sort qui est le Magic Missile, hein, puisque c'est le seul sort que vous pourrez crafter, hein, qui est juste là. Il existe plein de tours que vous allez trouver dans votre monde avec des couleurs différentes, hein, que vous allez pouvoir trouver au long de votre périple, notamment dans les donjons également. Hein, c'est dans ces tours et dans les donjons, n'importe quel donjon vanilla d'ailleurs, dans les coffres en fait, hein, ça va se générer des bouquins, des livres, des récompenses, etc. Alors, vous pouvez tomber sur un mage qui est gentil ou un mage qui est méchant. Quand ses yeux sont comme ça, c'est un mage gentil. Une fois sur deux, alors souvent c'est quand il y a les mages qui sont méchants, il y a des coffres, vous pouvez récupérer leurs connaissances. Si vous frappez, si vous avez le malheur de frapper sa tour, il s'énervera et il va vous frapper. Si vous ne faites rien, il va être là et vous trouvez des Arcane Warbench directement faites en haut de chaque tour. C'est toujours comme ça que c'est créé. Alors après, on peut voir d'ailleurs qu'il détient une sorte de chose qui est différente. C'est des choses qu'on peut looter avec une baguette de temps en temps. Et là, il va nous proposer des sorts. Il va nous proposer également... Ah bah voilà, là par exemple, il propose une baguette élémentaire. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs éléments. Hein, c'est-à-dire que dans les sorts que vous avez plusieurs types d'éléments. Et celui-ci, par exemple, propose 15% de potentiel sur la nécromancie. C'est-à-dire que vous dépenserez moins cher si jamais vous avez ce bâton avec de la nécromancie. Alors la première chose avant de commencer, on va voir comment on charge ce bâton. Donc là on a le bâton de base et vous voyez qu'il a 700 de mana sur 700. Je peux le mettre dedans, je fais un shift click comme ceci, ou soit le mettre manuellement. Hop, et là ça va ouvrir. Magic Wand 700 sur 700. Là à gauche, on a deux choses. Soit le Magic Crystal qu'on peut mettre ici pour recharger le bâton, mais là ça ne sert à rien. Soit on peut rajouter notamment des livres de sorts. Donc là le Magic Missile, je vais le mettre. Si je le mets en haut, il sera sur mon emplacement 1, c'est-à-dire qu'un bâton a toujours 5 emplacements. Donc voilà, et ça descend la liste au fur et à mesure. Donc là je vais le mettre ici, appliquer. Si je l'applique ici, je peux l'appliquer sur tous les slots si je le veux, et je peux repasser dessus. C'est-à-dire si je me suis trompé à un endroit, je peux très bien remettre un sort, il n'y a pas de souci. Hein. Il suffit de remettre par exemple là, je dis ah non, je ne vais pas Magic Missile, je mets un autre sort ici, et il n'y a pas de problème. Donc là je vais mettre appliquer.
Paf, voilà, je reprends mon bâton de sort, et regardez, alors je dispose de deux touches, hein, N et B pour changer des sorts dans mes slots, donc là, hop, je reviens sur le Magic Missile, et j'obtiens donc mon premier sort. Donc là, je vais pouvoir, en bas à gauche, en plus, on peut voir donc le sort, en fait, qui va s'utiliser, hein, le Magic Missile, c'est vraiment le premier truc que vous allez trouver, hein. Donc là, voilà, je peux lancer des petits trucs, alors je suis en créative, donc forcément, je tire à pleine vitesse, hein, si je me mets comme ça, voilà. Ça va, il va assez vite, quand même. Donc voilà, je peux tirer comme ça, à pleine vitesse. Et donc là, on voit que la mana est en train de descendre. Et d'ailleurs, en ayant débloqué le Magic Missile, je peux me renseigner dessus et voir qu'il coûte 5 et qu'il va tirer un petit missile spécial. Il n'a pas d'élément et c'est un tier novice, puisqu'il y a plusieurs tiers, il y en a 4 au total. Apprenti, alors novice, apprenti, advanced et master. Et vous verrez que donc plus vous avancerez, plus vous aurez des sorts très très puissants. Donc là, on a utilisé notre mana. Donc là, je reviens avec de l'utilisation 530. Et donc, je peux largement placer... Je peux placer ma baguette comme ça, si je veux la recharger, et mettre un cristal, sachant qu'un cristal recharge 100 de mana. C'est intéressant à savoir. Regardez, si je mets appliqué, voilà, de 530, je passe à 630. Et vous avez également le choix, si vous n'avez pas de workbench avec vous, vous pouvez également prendre 8 Magic Crystal et une bouteille, comme ça, qui fait une mana flasque. Et donc celle-ci, alors je sais plus combien elle donne, mais elle donne pas mal, hein. Ça va recharger à peu près l'intégralité de votre truc. Et quand vous cliquez, bah, vous allez utiliser la fiole totalement et donc vous aurez rechargé votre baguette. Donc c'est les deux manières de pouvoir transformer votre bâton. Maintenant, vous vous baladez et vous allez rencontrer ces mages-là. Vous pouvez échanger vos vieux livres de magie contre n'importe lesquels livres de sorts, contre souvent des cristaux, comme ça, hein, peu importe. Bon là, pour l'instant, je vais le garder. Et vous pouvez également, vous pouvez acheter des sorts. Mais vous le voyez, par exemple, ce sort-là, 1, 2, 3, 4, 5, hop, 1, 2, voilà. Vous voyez que ce livre, si je clique dessus, clic droit, je ne comprends rien du tout. Alors, on va essayer de l'appliquer à notre baguette quand même. Hein, c'est un sort novice. Donc, je vais le placer dans un slot numéro 2. Voilà, il sera placé ici. Hop, appliqué. Et donc, vous voyez que j'ai récupéré ma baguette, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, je peux switcher. Hop, voilà. Et on voit donc ces inscriptions un peu runiques comme on a dans les tables d'enchantement. Et on ne comprend pas du tout. Alors, on peut tenter de l'activer avec clic droit. Voilà. Et donc, bah, je peux invoquer un zombie. Alors, vous voyez, en fait, vous pouvez découvrir le sort comme ceci avec le zombie. Et donc, j'ai un zombie qui me suit. Hein, on peut faire pas mal d'invocations comme ça, ce qui est assez cool. Hein, par exemple, ça, c'est un des sorts que je viens de découvrir. Là, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Et regardez, mes zombies vont aller se battre directement contre lui. J'ai deux zombies contre lui. Je peux même en réutiliser à chaque fois. Et là, alors, du coup, c'est un peu le hasard. Du coup, c'est pas. Et là, je vois que j'ai découvert donc la nécromancie. D'ailleurs, quand vous regardez votre bouquin, vous avez vu, le temps s'arrête, ce qui est plutôt cool. Hein. Alors, sur serveur, ça marchera pas, mais en tout cas, en solo, ça marche. Et donc, vous pouvez invoquer un zombie qui va se battre avec vous et qui disparaîtra au bout de 30 secondes ou s'il est tué. Voilà, c'est un sort de nécromancie de titre novice. Donc, j'ai pu le débloquer. Donc ça, c'est top. Maintenant, j'aimerais bien essayer avec un sort de type, on va dire, avancé et un bâton novice. Parce que là, je l'ai découvert, car c'était un bâton, j'avais un bâton novice. Donc, forcément, un sort de type novice, pas de problème. Seulement, si le sort devient plus puissant, alors il faut voir si lui vend un sort plus puissant. On va le voir tout de suite. Apprenti, voilà. Là, on a un sort d'apprenti, par exemple. Donc, vous voyez, il faut des ressources à chaque fois, souvent du diamant, des de l'émeraude ou des lingots d'or, hein, généralement. Prenons un spellbook comme celui-ci. Voilà, apprenti. Et donc là, je vais le placer. Hop, voilà, comme ça. Et je vais le placer dans le troisième slot. Hein, voilà, troisième slot, appliqué. Et là, vous voyez donc déjà que je ne peux pas l'appliquer. Je ne peux pas savoir ce que c'est. Et donc, du coup, tant que je n'aurai pas de baguette d'apprenti, c'est un peu compliqué pour moi de le faire. Néanmoins, je peux quand même me renseigner grâce à des scrolls of identification. Les scrolls d'identification permettent de comprendre à quoi servent, eh bien, ces bouquins. Pour ce faire, je peux cliquer droit avec le bouquin. Voilà. Et là, du coup, j'ai fait... Alors, ces parchemins d'identification, vous pourrez les trouver dans des donjons. On ne peut pas les crafter, hein, mais de temps en temps, vous pouvez en trouver. Et donc, vous allez pouvoir vous rendre compte que ce sort d'apprenti, donc, c'est de la métamorphose. Et si je clique dessus, désormais, j'ai l'information sur le bouquin en tant qu'apprenti. Donc, j'ai identifié le livre. Néanmoins, je ne vais pas pouvoir l'appliquer. Parce que même si je l'ai découvert, mon bâton n'est pas suffisamment élevé. Comment faire pour obtenir un bâton qui sera de niveau apprenti? Eh bien, il faudra, dans les donjons, pareil, trouver différents tomes dans les tours et les donjons, tous les donjons générés. Et par exemple, vous allez pouvoir upgrade vos bâtons au fur et à mesure. Par exemple, là, j'ai un bouquin d'apprenti.
Voilà, je le mets là sur la petite flèche, ce sont pour les upgrades. Je fais appliquer et regardez, j'obtiens donc un bâton désormais qui est apprenti. D'ailleurs, la mana a augmenté, elle passe à 1000. Et pour pouvoir réaugmenter, je lui remets du cristal, comme ceci. Hop, je mets appliquer, voilà, ça va utiliser le cristal dont on a besoin. Et terminé. Voilà. Et maintenant, si je remets mon bâton et que j'utilise la fameuse métamorphose, je l'applique, je vais avoir la métamorphose. Alors, que faisait la métamorphose ? Allons voir ça. Change de target into another form. Works on some creatures. Donc ça marche pas sur toutes les créatures, mais apparemment, je vais pouvoir transformer donc certains ennemis. Pour l'instant, je suis plutôt dans des magies de type nécromancie, mais en même temps, c'est normal, le mage que j'ai vu était de type nécromancie. Alors là, je l'ai transformé. D'accord. Ah oui, ok. Alors effectivement, c'est pas forcément bénéfique sur certains trucs, mais avec un creeper, par exemple. Alors, creeper, c'est rien. Oh, alors ça c'est avantageux par contre. Ah là, d'accord, on a certaines... Ah là là, c'est génial. Donc des types de magie vraiment très différents. Donc toi par contre, retransforme-toi très vite en araignée classique, hein, parce que t'es en train de nous tuer quand même. Donc je rappelle que la plupart des choses ne se craftent pas, hein. Vous allez trouver auprès des PNJ. Par exemple, parlons un petit peu des upgrades, parce qu'il existe plein d'upgrades que vous allez pouvoir trouver. Vous allez avoir des upgrades, comme vous pouvez le voir, il y a des upgrades de storage, c'est-à-dire qui permettent de la baguette d'aller plus loin. Donc là, on va la plaquer, par exemple. Voilà, je mets un upgrade storage. Hop, regardez, je fais shift-click, ça vient tout seul, paf. Et j'ai un upgrade storage. Et maintenant, quand je place... alors, je sais pas ce que c'est storage, ça met 1150. Donc effectivement, j'ai un peu plus... je peux stocker un peu plus de mana. Je peux faire un Wand Cooldown Upgrade, donc là qui permet d'avoir des sorts qui sont plus rapides. Wand Blast Upgrade qui va être plus puissant. Ah, je peux pas l'utiliser, je crois. Alors là, j'en ai 4. Passons le bâton à vitesse supérieure. Donc on va passer en Advanced. Appliqué. Là, il est passé en Advanced. Et donc je vais essayer de remettre des upgrades, voir si on peut mettre des upgrades maintenant. Voilà, en le passant au niveau supérieur, je peux mettre plus d'upgrades. Et donc effectivement. Ah, ok. Donc voilà, en fait, pour avoir toutes les upgrades, j'imagine qu'il va falloir aller jusqu'au bout du bâton. Donc là, on est passé en, sur un bâton Advanced, et il reste donc le dernier, qui est le Master. Et généralement, le Master, on va le trouver. Alors, vous voyez, si je casse ça, les trucs sont énervés. D'ailleurs, on peut avoir un achievement, you'll regret that. Généralement, si vous pétez la tour à côté du mage, ils s'énervent et vous lancent des sorts. Et ils sont extrêmement agressifs, donc faites très attention. Alors les tenues, pareil, hein, il existe plusieurs tenues. Et regardez, en fait, à chaque fois que vous avez des bottes par rapport à la tenue normale, alors vous ne pouvez pas les crafter, hein, vous pouvez quand même les recharger en mana. Elles permettent, donc vous voyez, il y a la tenue de pyromanceur, il y a la tenue Ice Frost, etc. Donc en fonction des sorts, parce que vous avez des sorts de healing, des sorts de sorcereur, vous avez la terre, la nécromancie, la tempête, voilà. Et tout ça, vous gagnez des bonus aussi au niveau des sorts, ça vous coûte moins cher. Donc vous avez la possibilité de les trouver également dans les donjons. Et l'Arcane Seal of Protection, d'ailleurs, hein, c'est un sort que l'on peut trouver lorsque vous avez une armure, peu importe l'armure que vous utilisez. Par exemple, on va prendre une armure de pyromanceur. Vous pouvez, eh bien, upgrade cette armure avec ce parchemin. Hein. C'est une légende qui se raconte, mais qui peut se faire. Et regardez, on gagne donc en armure 8 d'armure par rapport à l'ancienne. Je crois qu'il doit être à 5, voilà, d'armure. Donc on obtient un sort. Comme ceci, et donc pour le reste ça change pas, mais je crois que voilà, et on obtient donc une armure légendaire. Alors je sais pas exactement tout ce que ça fait, mais en tout cas c'est plutôt puissant, je pense qu'il y a plus que ça, mais vous découvrirez le secret qu'il y a caché derrière. Donc c'est pareil, c'est un des loots, un des nombreux loots à trouver. Vous pouvez du coup aussi, sans penser au prix de la magie, mais juste vous dire, tiens, j'ai envie de me faire une armure complètement stylée. Et donc vous pourriez, ce serait plutôt cool. Vous avez la possibilité aussi, et vous trouverez probablement des parchemins. Les parchemins aussi, vous faudra les identifier ou non. Les parchemins, en fait, quand vous avez découvert un sort, par contre il faut le découvrir, hein, parce que si vous l'avez pas découvert, vous ne pouvez pas l'utiliser. Par exemple, invoquer un zombie, hein, par exemple il y a métamorphose, invoquer un zombie. Par exemple, je prends invoquer un zombie, juste ici, je peux réaliser des blank scrolls. Alors les blank scrolls se font avec un papier et une ficelle, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est des parchemins. J'en place un comme ceci. Alors, vous voyez, on a la petite animation, ça fait pareil avec la baguette. Et là, vous pouvez placer le parchemin dont vous avez besoin. Donc là, invoquer un zombie. Et je mets un cristal, parce que ça va coûter un cristal pour l'utiliser. J'applique, paf, c'est toujours un cristal, hein, par parchemin. Et là, du coup, j'obtiens un parchemin spécial qui va être le parchemin Scroll of Summon Zombie. Voilà. Et donc, je peux l'utiliser une fois seulement. Alors je vais sortir de la tour pour pas me faire avoir. Donc voilà, c'est un parchemin, on va dire que vous n'avez pas besoin de baguette et comme ça vous pouvez l'utiliser, c'est jetable. Et regardez, hop, je clique
Et voilà, j'ai invoqué un zombie. Bon, malheureusement, il sert à pas à grand chose ici. Mais voilà, au lieu d'utiliser la baguette ou le mana, vous pouvez faire des versions portables. Parce qu'il existe des sorts, par exemple, qui vous donnent aqua breathing. Voilà, vous pouvez respirer sous l'eau, des trucs qui vous font résister, l'éviter, ou juste un petit sort qui va invoquer peut-être un mob. Et du coup, vous n'avez pas forcément besoin de balader le sort tout le temps avec vous, parce que vous avez que 5 emplacements. Et vous pouvez tout simplement avoir un simple parchemin à balancer. Et vous pouvez donc réitérer l'opération, parce que c'est infini, hein, le truc se pète pas, vous voyez. Là, par exemple, je recrée un parchemin. Je vais placer métamorphosis, voilà, comme ceci. Je mets les cristaux, hein, comme ceci, appliqué, voilà, ça l'utilise. Hein, et puis, je peux utiliser donc tous mes parchemins si jamais j'ai besoin. Hein, je peux balancer mes parchemins au fur et à mesure, voilà, comme ceci. Et mettre Summon Zombie, Magic Missile. Alors, Magic Missile, franchement, ça sert pas à grand-chose. Mais là, vous voyez, j'ai obtenu donc un Scroll of Magic Missile. Si je tire ici, par exemple, bah, voilà, je vais lancer un sort. Tiens, par exemple, toi, paf, oh, il s'est transformé en chauve-souris. Et voilà, donc par exemple, j'ai utilisé mon métamorphosis dessus. Donc, les petits parchemins peuvent vous faire une version portable de votre sort sans l'abîmer. Et je vais vous montrer maintenant les derniers sorts, parce que le livre Master, donc, qui est le plus rare, je l'ai trouvé quand même une fois dans ma petite expérimentation juste avant de présenter le mode. Je vais essayer de vous le retrouver une fois pour vous montrer donc le bâton Master. Ah bah là, je l'ai trouvé. Bon, bah c'était pas un vénère. Mais là, voilà, il peut me donner donc le Master. Donc voilà, Advanced to Master. Donc, vous pouvez pas sauter les étapes, hein, et vous êtes obligé à chaque fois de passer au Master. Donc on va faire comme si on avait trouvé donc le truc Master. Donc vous avez toujours les upgrades, et donc pour avoir les maximums d'upgrades en passant votre bâton en mode Master probablement. Donc là, je vais passer avec le Tome of Master. On va faire comme si je l'avais acheté. Hop, je l'applique. Voilà, mon bâton est prêt. Alors d'ailleurs, une fiole, on va voir un petit peu. Là, je dispose de 1172 mana. Et avec une fiole, je vais 1172, 1872. Donc, d'accord, je donne 700 avec cette fiole. 700 de mana. Hein, voilà, pour savoir un petit peu ce que ça pouvait donner si je ne passais pas par la table. Voilà. Et donc là, on dispose vraiment du bâton le plus puissant qui va pouvoir vous lancer les sorts les plus effrayants. Et donc, on n'avait pas testé encore toutes les upgrades que l'on pouvait placer. Mais là, je crois que j'ai mis toutes les upgrades. Ah non, je peux pas toutes les... Eh ben, je peux pas toutes les mettre. Il y a une limite. Hein, au bâton master, et donc sa limite est de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 upgrades, mais ce qui est déjà énorme parce que c'est 6 sur 7, je crois, ou 8. Sur 8. 6 sur 8 upgrades, donc vous en avez plein, avec plein d'effets différents, vous pourrez le voir avec vos bâtons. Hein. Et donc on va essayer de mettre des petits sorts de type master, hein, bien sûr. Je vous cache pas que ce mode-là, ça va être une tuerie. Et donc par contre, je vais quand même vous montrer 3 sorts de master, on va dire. Et après, à vous de vous spoiler. Je pense que pas mal seront intéressés pour chercher les sorts les plus puissants et les plus balèzes. Moi, personnellement, je ne vais pas vous le montrer. Mais j'ai calculé, hein, j'ai bien calculé. Il y a bien 140 sorts ici. Il y a 140 sorts, voilà. 140 sorts de disponibles. Et il y en a plein. Par exemple, celui-ci, alors je crois que c'est Black Hole, je suis pas sûr, mais essayons. Voici donc un trou noir. Et vous voyez donc... Oh. Donc on a le temps de rechargement qui est quand même un peu plus long. Et regardez, voilà. Et en plus, ils subissent des dégâts très 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 violents ce sort. Hein. Très 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 violent. On change de sort. Nouveau sort encore puissant aussi. Voici l'apparition du Phénix. Alors, autant vous dire, bon, il a la gueule d'un Blaze, mais après pour le reste, c'est un Phénix. Et regardez la puissance de ce truc. C'est un truc de malade. Ok, mon petit phénix, tranquille, hein. Le phénix, enfin voilà, imaginez le nombre de sorts, voilà, tout ce qui a été codé, tout ce qui a été fait, le mec a vraiment mis du détail dans chaque sort, je trouve que chaque sort est vraiment propre, c'est vraiment, voilà, c'est pas juste un rayon, etc. Et clairement, c'est très 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 puissant. La suite, prochain sort, voici la Firestorm, et donc c'est un petit peu ce que faisait le phénix tout à l'heure, mais en version lance-flamme cette fois, et clairement le dragon. Et je trouve que les sorts sont extrêmement bien faits, que ce soit le design graphique, vraiment, il a tout fait ça très proprement. Chaque image est vraiment très belle. Même le Magic Missile, je veux dire, qui est le petit sort de base, bah il est stylé. Je trouve que, voilà, il y a des bruitages, il y a des choses qui ont été mises en place. C'est vraiment extrêmement propre. Donc vraiment, bravo au modeur. Et vous imaginez le nombre de choses qu'il vous reste à découvrir dans ce mode incroyable. Hein, où pour l'instant, là, je vous ai montré à peine un petit bout de tout ce qu'il y a. Mais ça, c'est pour pas vous gâcher le truc. Franchement, 140 sorts. Et puis, pour pas me gâcher Fly for Fluence aussi, parce que c'est une des choses qui fera partie de mon aventure. Merci à tous d'avoir regardé, en tout cas, cet épisode. N'hésitez pas à laisser un magnifique petit pouce bleu pour cette formidable vidéo. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures d'action, de fun, de fail et de folie. Ciao à tous
et à la prochaine.